Bonjour, c'est Joe de Joe and Clips Film. Bon, alors aujourd'hui, dans la continuité de mon dernier tutoriel, on va apprendre les différences entre les proportions de l'homme et de la femme. Donc, je vais dessiner deux petits bonhommes. Là, je taille mon crayon. Donc, deux petits bonhommes identiques, en essayant d'utiliser la même technique que je vous ai appris. Apprise. Donc, on commence par dessiner la tête. Donc, on dessine le buste avec un gros ovale, la tête avec un petit ovale, et on sépare le haut du corps en trois parties égales. Donc on dessine le cou. Et après, par exemple, on peut dessiner la clavicule pour nous donner un repère pour ensuite mettre les épaules. La clavicule, c'est un peu comme un guidon de vélo en fait. Donc on peut aussi prendre son crayon pour reporter les longueurs. C'est très pratique. Donc là, je reporte la longueur du haut du corps pour faire la longueur du bas du corps qui sera la longueur des jambes. On n'oublie pas que les genoux sont au milieu des jambes et que d'ailleurs par la même occasion les coudes sont aussi au milieu des bras. Donc on se casse pas la tête, pour les mains on fait des rectangles parce que c'est quand même pas mal de compliqué de dessiner les mains et on va pas se perdre dans les détails. Je ferai sûrement une vidéo où j'expliquerai comment dessiner les mains de façon simple avec des formes géométriques. Alors là j'efface, mais j'efface légèrement pour qu'on puisse encore voir les traits que je viens de tracer. Et puis on peut faire ça aussi pour tous ces autres dessins. On fait un croquis, un énorme brouillon. Et puis on efface et on repasse les traits qu'on aime bien. Alors la première différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme il a des épaules plus larges, une musculature plus développée. Et puis je pense aussi que les jambes sont plus courtes chez l'homme que chez la femme. Mais bon, comme rien n'est sûr, on va les faire de la même longueur. Bon alors là, bien sûr, j'exagère. C'est pas la même chose pour tous les hommes, heureusement. Puis je simplifie beaucoup aussi parce que je pense que l'anatomie est beaucoup plus compliquée que ça. Alors, pour le repère du sternum, je reporte la longueur de la tête. Et puis, ça me permet d'avoir un point de repère pour pouvoir décider les pectoraux. Il faut aussi savoir que les pectoraux sont reliés aux épaules. Donc je dessine, j'essaye de faire la même chose des deux côtés, symétriquement. Et puis on essaye de ne pas se perdre dans les détails surtout, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est l'ensemble du personnage. Et ce sera bon pour l'homme. Ah non, il manque encore les abdominaux. J'allais oublier. Et les jambes aussi.
Donc pour les muscles des jambes, je m'inspire de Marvel et de DC Comics parce qu'ils ont les jambes ultra musclées. Donc du coup, ils exagèrent vachement. Un peu comme les jambes de cyclistes. Bon, pour les abdominaux, je fais un truc un peu géométrique. Mais bon, pour que ça paraisse naturel, il faut essayer de faire à ce que ça ressemble pas trop à des tablettes. Faut essayer de pas trop faire de lignes droites. Faut que ce soit le plus naturel possible. Donc pour l'homme, c'est terminé. Ensuite, on va commencer avec la femme. Bon, alors pour la tête, au contraire de l'homme, la mâchoire, elle est moins rectangulaire, moins dure. Les épaules sont moins larges aussi. Et la musculature est moins développée. Donc là, par exemple, pour montrer que la musculature n'est pas développée, je vais pas dessiner les muscles des bras en fait, je vais juste relier les segments et les articulations. Rien qu'avec le haut du corps, on voit quand même déjà une nette différence entre les deux. Ensuite, pour les jambes, je fais la même chose que l'homme, sauf que je vais changer un petit quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement l'insertion des jambes, puisque le bassin est beaucoup plus large chez la femme. Donc j'arrondis les hanches. Ensuite la taille est plus fine. Et ensuite comme on sait que les seins sont au niveau des pectoraux, on prend exactement le même repère que pour l'homme. Donc on reporte la longueur de la tête, si vous vous souvenez. Et puis ensuite, on fait des ronds. Et on n'oublie pas que c'est sur les pectoraux. Donc du coup, on dessine la partie des pectoraux qui s'enfonce dans l'épaule. C'est pour ça que après les petits cercles, il y a des petits traits. Bon, on peut voir une nette différence entre les deux. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, essayez de reproduire ces dessins chez vous. Merci et bye bye.